pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. C'est pas ma tête qui cherche, il cherche la tête du chef de l'État. Et qu'il sache que je ne vais pas reculer d'un seul pas. Bel et bien sur le Belia Peuple Télévision, na émission na binoto le Belia Ekolo. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous avoir choisi pour vous informer. Lelo to kufanda mwa mingi na makambo mako le kana Assemblée nationale boyebi ke ba élu bazo débattre sur la reddition des comptes, mais aussi déjà lobby la première ministre madame Judith Simino Tuluka a co-présenté bon projet de loi de finances exercice 2025. Tokolo Belayango Lelo et Naibike, beaucoup partager l'émission, beaucoup liker, beaucoup commenter, parce que celui qui a l'information a le pouvoir. Et pour parler de ce sujet, tu as mis pour Nabino Mwanamboka Joseph Mbenza, ou Azali Bongo Mokoeba, communicateur et parti présidentiel UDPS. Mwanamboka Joseph Mbenza, bienvenue. Merci Ndeko Mitterrand, merci pour l'invitation. Napesi Bayenios, Baolanda Bisso, na Congo, pe de partout mbote. Napesi Anga, Yaya, Roger Kabongo, na Mama Karine Kabongo. Bozana mikila papa en États-Unis mbote na PCP bato nyoso ba Rolanda biso bo s'abonner massivement bo partager bo liker émission oyo na PCP longo na mingi na ndegonanga HD. J'espère que nous allons analyser l'actualité de l'obito solo de l'Assemblée nationale. Oui. Tokoye ba o nini koyebi sa ba congolais qu'est-ce qui se passe réellement. Merci beaucoup. Alors to banimba la moko na dossier aliboso na débat sur la reddition des comptes. Exercice, je pense, 2023-2024, c'est ça? Oui, oui. Alors, Vitel Kamere a posé à Mituni question, Moko. À l'objet, est-ce que priorité à régime Oyo, Ezali, effectivement, pour l'intérêt à peuple, est-ce que l'intérêt à peuple est prioritaire, tout intérêt à individu pour comprendre te, comment expliquer pour le financement? Il y a programme de développement local, il y a 145 territoires. Gouvernement congolais et Bimisika a 85 milliards de francs congolais pour financer le projet de développement à la base. Mais pour foutre bongo, la dette non certifiée, gouvernement a Bimisi plus de 450 milliards de francs congolais. A tout ni intérêt, il y a gouvernement, Ezali. Priorité au gouvernement Ezali, intérêt à peuple, ton intérêt à ba individu. Moi, je suis Joseph Mbenza, Ozala Maloba. Merci, Ndeko Mitterrand. C'est une question pertinente et puis c'est une question complexe. Je vais m'expliquer. La loi de reddition des comptes, Ezali, inscrit dans la loi de finances. Donc, c'était un exercice moko. Il faut ça, la maka. Chaque fois que vous voulez aborder un nouveau budget, il faut. Et alors, on a deux mots, loi rectificative na loi à reddition des comptes. Il y a un des salama, quota là, taux d'exécution et budget, il y a gouvernement central, se situe à quel pourcentage? Et quelles ont été les avancées? Mais si quoi, ma cambozo le cas actuellement, dans la loi de reddition des comptes, on commence à se poser des questions, est-ce que nous avons des démons qui se sont revêtus de corps humains, qui ont travaillé à la place des Congolais, ou bien nous avons des Congolais, des êtres humains normaux. Parce qu'il y a des fois, en tant que tshisekédiste, les valeurs qu'un tshisekédi nous a données, il n'y a pas match, ils ont matché, ils ont balanaté. Mais, quand il y a un match, Vitel Kamere par rapport à l'approche, vous en avez raison. Mais il faut qu'on ait la peine à Vitel Kamere. Aza Moutou, il faut qu'on ait confiance et qu'on s'explique. Vitel Kamere, deux ans, membre du gouvernement. Vice-premier ministre, ministre de l'économie. Il était au sein du même gouvernement. L'intention chez Kamere n'est pas de salir le régime Tshisekedi. Posons-nous la question. Pourquoi?
Parce que deux ans ministre de l'économie, ils savaient ce qui se passait au niveau de, du conseil de ministres. Toutes les décisions qui ont été prises de l'autre côté. Mais quand il vient, il parle d'un régime dont il fait partie, dont il a été ministre, c'est là où l'intention de M. Vital Kamerhe est à malamouté. Non, mais comme membre du gouvernement, moi, Mboka Joseph Meiza, il était tenu dans un droit à réserve au nom de la solidarité gouvernementale. Et maintenant qu'Azali est représentant et à peuple, il ne peut pas supporter certaines choses. C'est là la subtilité à Vital Kamerhe. C'est un grand mauvais joueur. Nabandeli, c'est un grand mauvais joueur. Il marque de but dans son propre camp. Dans le sens seulement de, ce, de sa personnalité qu'il veut construire pour 2028 en salissant l'image du régime Tshisekedi, en étalant toutes ces choses. Il était au courant de ça. Il a fait partie. Qu'ils disent aux Congolais, deux ans ministre de l'économie, qu'est-ce qu'il a foutu? Il est allé faire se pavaner en zombie, aller espace Grand Katanga. Il n'y a rien eu là-bas. Un régime, c'est le régime le plus désordonné, c'est le régime Tshisekedi. Où n'importe qui dit n'importe quoi à la place publique. Un régime protège son image. Mais ça se traite à l'intérieur. On n'expose pas le régime comme ça. Dis, Nicolas Kaz a dit, bien que tu es un ancien ministre, viens nous expliquer en tant que... Oui, que Nicolas Kaz a déjà député national. Négomit, Nicolas Kazadi, ministre des Finances, n'a pas encore été un peu problématique. Je commence à comprendre que dans l'histoire de ce pays, il sera écrit Nicolas Kazadi parmi les mauvais ministres des Finances. Maintenant que nous avons moi la Mboka Joseph Mbeiza, tant que Kamerhe Koloba, je pense que Batouba Kolandabiso, c'est vrai que Kamerhe a rappé borderline, versatile, mais tant que Kamerhe Koloba, par rapport à financement, il y a un programme de développement à 145 territoires. Le gouvernement a mis 85 milliards de dollars. Alors qu'ils allaient programme beaucoup. Pardon, 85 milliards de francs congolais. Alors que c'est un projet salutaire pour l'ensemble de la, du peuple congolais, l'ensemble de la République. Le gouvernement a débloqué 85 milliards de francs congolais. C'est quoi en mais dollars? Pour Nabadet, je pense 33 milliards, quelque chose comme ça. Mais pour Nabakambou Matali, la dette intérieure non certifiée, payée en mode d'urgence, gouvernement a payé bongo 450 milliards de francs congolais. Il peut avoir raison. La dollar et Koyikosa a déjà 150 millions quelque chose il de dollars. Il peut avoir raison dans un sens, mais il peut avoir aussi tort dans l'autre sens. Je veux m'expliquer. La dette intérieure, ce qui est foutu par vrai opérateur économique, oui. Ça leur permettra d'aller s'approvisionner parce que nous avons une économie extravertie, d'avoir le moyen. D'aller acheter à l'extérieur et de ramener. Mais dans cette dette intérieure, wana, ma baisse à la ranini, n'a pas préposé à l'État. N'a moutou, oh, l'État doit de l'argent, il y a sous-facturation. Tant qu'on a dans cette dette intérieure, c'est là où se trouve la plus grande magouille. Il y a ma finance publique, il y a l'État. Entre bateau, c'est censé protéger l'État. Mm-hmm. Le ministre de la de Finance, la direction à dette intérieure. Place n'est qu'il n'y a qu'il mouille bien à la carte. Au moment où on a 100 francs, on va refacturer, on va refacturer 1000 francs. En réalité, dans 4000 francs, on a 900 francs. Il y a un débat au Kabola entre des individus qui interviennent. Négomit, n'a pas de la carte. Oui, Tokei, M. Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État. Il y a un moment où on a dit qu'il y a une rétro-commission. Il n'y a pas une loi claire qui établit sa pénalité, sa pénalisation. Je vais m'expliquer pour comprendre. Le pétrolier, c'est une information vraie. L'État doit leur doit de l'argent. On va bien manque à gagner. Monsieur Bahatuluko, le ministre de l'économie, les pétroliers sont venus voir M. Kamerhe, c'est une information vraie. Nous avons
un paiement du gouvernement qui n'arrive pas. Yo le bel abisso, monsieur Kamera, le beli, naba monsieur, bati le kwebo, au finish, ba libéré, ba rétro-commission, il y a 15 millions de dollars. Voilà, directeur à cabinet. Il y a un monde qui est salaga makelele. Et ça l'abisso passe, mon konzambo a une difficulté, il y a justifié. C'est-à-dire un groupe de gens qui ont négocié avec les pétroliers, mais en retour, ba pesi bango pourcentage. Mais ils sont payés par le trésor public. 15 millions au caca. Et ça peut être un peu comme dette intérieure. C'est-à-dire, yo Mitterrand aux importateurs, tu as livré à l'État X, Y et l'autre. Ok, somme baboué, 10 dollars. Mais yo tu as 100 dollars. Bah, tu as une liste de dette. Mais pour Zouango, procédure est comme mbaï mbaï. Il faut intervention. Soit il y a Moutoumoko X. Soit à Moukondimoko. Si il intervient pour toi, il faut qu'à tel pourcentage. Il y a un moment où la sous-facturation. On reçoit 10 dollars, 100 dollars, bokaboli selon les intervenants. C'est une mauvaise pratique qui retarde le développement du pays. C'est comme ça que les gens s'enrichissent illicitement. C'est une pratique que tout le monde fait. C'est une vérité. Il était directeur de cabinet. Maintenant, c'est la même pratique. Et il y a une dette intérieure. Sous-facturation. Est-ce que les importateurs, les opérateurs économiques ont reçu ce qui leur est dû selon les normes ou bien il y a eu sous-facturation? C'est là où M. Kamere peut avoir raison. Je suis correct dans mon analyse. Très bien. Que Mongo et Bimi, la réalité, ils ont balanaté. C'est là où M. Nicolas Kazadi doit être jugé. Ce n'est pas parce qu'il est de mon parti politique, c'est pour soigner l'image du régime. Très bien. Il faut déférer M. Nicolas Kazadi. D'ailleurs, en tant que député, il faut d'abord créer une commission au niveau de l'Assemblée nationale. Il doit montrer ses moyens de défense. Ce qui est simité, il ne faut pas lever ma humilité, mais ces fruits même vont à se saisir. Très bien. Un autre député, toujours dans le débat sur la loi sur la reddition des comptes, a lobby dans le secteur et le sport. Les fonds alloués dans le sport, budget Ezaki Bongo destiné pour le ministère du sport, taux d'exécution c'est presque 200%, plus de 200%. Mais pour financer les entités territoriales décentralisées, aucun rang. Entité territoriale décentralisée, Mbongo et Kotite, Baba loué Mbongo, mon côté Nango, mais le ministère du sport, taux d'exécution, na kota ya budget ba pesa ki bango c'est presque plus de 300%. Et député à toi député na mituna lobby tozo comprendre pourquoi ces régimes et régime ya divertissement. Je pense que Zali Bongo Christian Mwando Simba à lobby je comprends que régime oyo et ma casse na divertissement parce que na sport donc taux d'exécution plus de 200%. Mais pour les entités territoriales décentralisées, aucun rang. Bon, j'aurais voulu... Avant la tort opposant. Non, j'aurais voulu Ezala Moutoumoussoussou. Mais Christian Mando aussi, c'est un fauteur. En fait, on a de mauvais dirigeants, mais qui deviennent des donneurs de leçons. Que ce soit M. Kamere, que ce soit M. Christian Mando. Je dis bien, des mauvais gestionnaires, mais donnant des leçons. Christian Mando, c'est lui qui a plombé le programme il y a 145 territoires. Christian Mando. Parmi les anti-peuples, Christian Mando. Mais il revient. Il peut avoir aussi raison. Je veux m'expliquer une fois de plus, en entrant dans le détail. Le ministère de sport, on a des fédérations, football, handball, je n'en dis qu'on ne vient pas. Il y a un budget réservé pour l'équipe nationale et de club. Il y a aussi un budget réservé dans le comité olympique du Congo qui est dirigé par M. Amos Mbayo, qui est devenu un chef coutumier, il n'a jamais quitté. Président du comité olympique, entre-temps, conseiller financier de tous les ministres de sport. On se pose la question, ce monsieur, il est éternel et que c'est lui le seul compétent. Mais donc, qu'est-ce qu'on a fait en dossier? Comité olympique, zéro. Tous les Jeux olympiques, l'État Bimisambongo, en procédure d'urgence, tout ça, qui les bungutulu, au lieu d'amener Barclay Tebele,
ma délégation est belle, ma membre, il y a différentes fédérations. Mais Amos Mbayo reste toujours là. Aux hommes, on appelle ça mon ezokendi. C'est-à-dire, na kati pe wana, tant que la réseau bima, ba sous-facturer les sous. On comprend, hein? Na sous-facturation wana. D'ailleurs, on met la paix à membre de délégation d'athlète. C'est-à-dire, ma membre du comité olympique, ma tondi, ma athlète, imaginez, besoin qu'il y ait par exemple 50. 30 membres, il y a délégation, bata comité olympique. 20 athlètes. Est-ce que vous êtes un pays sérieux? Ils vont faire de la villégiature et ça s'est tapé 20 ans. Aucune médaille, ni en bronze, ni en or, ni en argent. Mon à l'été, Zokene. Donc, qu'est-ce que c'est un détail? Équipe nationale. Côté Kounane, moi, malam, moi, moqué. Vous avez vu que boxe ressemble à Manakongo. Autres à un championnat d'Afrique, il y a boxe, il y a handball. Mais mon au frère Bima. Mais mon au zo Bima, il y a l'olenge nini. La quantité ni la volume ni. Et pour quelle finalité? Là, Christian Monde peut avoir raison. Parce que normalement, là où l'investissement au gouvernement fallait qu'il y ait, c'est la construction des routes, c'est la construction des écoles, des hôpitaux, les militaires. Les... Mais ce qui est comité d'un niveau, on se pose des questions. Mais n'a pas remis tout la question. Tout ça dans la loi reddition des comptes. Christian Mwanda Azalekiwapi, en tant qu'autorité budgétaire, a tiré ce linge de l'arme. C'est là maintenant il devient un mauvais gestionnaire et donneur de leçons. Parce qu'au cours de l'exercice, on peut stopper, on peut contrôler. Où était le contrôle parlementaire? Parce que parmi les éléments, les instruments de l'autorité budgétaire, il y a ce qu'on appelle contrôle parlementaire. Pourquoi contrôler les salamagaté? Quand vous êtes en train de voir, pourquoi contrôler les salamagaté? Quand vous sentez qu'il n'y a pas financement dans le secteur des infrastructures, dans le programme à 145 territoires. Mais bah, député Bélé peut aller là que le contrôle parlementaire vient Mossa Bandara pour bloquer le dossier. Abandai Kolingate va contrôler Salema, peut-être de peur d'exposer le régime. Et Mingi peut le balobaki en haut, le dossier Bélé Zara bloqué dans. Un bureau parlement, notamment par contrôle parlementaire. Non, bloc on a un dimanche. Parce que pour aucun contrôle parlementaire, c'est qu'ils ont validé le bureau. C'est là maintenant j'ouvre une parenthèse. Tous ceux de l'UDPS et du régime, ma membre du gouvernement, ils savent dans leur fort intérieur. Pasteur Guili, Joseph Mbenza Mitterrand Naya, Pascaline et les autres ne vont pas tirer sur eux. Mais leur dossier sale, ils ont peur, et bien, ils ont peur de l'opposant. Ils ont peur de laver, ils ont peur de laver. Vous comprenez? Aux hommes, on a logique. C'est là où maintenant, la complaisance de nous autres, qui soutenons ces gens-là, qui travaillent mal, c'est ça la vérité. Moi, je m'étais dit, dans le deuxième mandat, il n'y aura pas un soutien aveugle. Vous comprenez? Donc, même les députés nationaux sont des amis des ministres. Et ça, Lukuta dit, mon cher, nana de chez moi en contrôle parlementaire, si tu ne bouges pas, seront libérés 20 000 T, seront libérés 50 000 T dans Robert Tango. Il peut on va libérer Goubert avant du calme, complaisant, complice. Voilà la vérité. Voilà la vérité, mais moi, l'amboka Joseph Mbenzana, vous rappelez que vous allez bongo, mon coeur est communicateur à UDPS. Tant que 450 milliards de francs congolais, il y a ma dette non certifiée. J'insiste sur ça, non certifiée. Ils allaient payer. Ça, c'est de un. De deux, Steve Kondela, qui s'est extrait à vidéo Oyo, ministre de la Finance Ludou Fouamba, à Kolobela, Makambouyaba, état de route. Un secondaire à Kinshasa, tout l'andana ne le connaît pas à Kozonga. Le gouvernement a coûté non seulement des moyens pour l'axe Wana ou Ebosengi, mais également a coûté expertise à travers le bureau central de coordination BCECO pour appuyer Moussala ou Ebosala, Nabanzela Wana et puis Namakamboitali assainissement. Tosengi, Mokonzia Ville, na ba collaborateur na Nyonso et tout beleli ba o Nyonso ba kozwa misala ya kobongisa nzela. Batika kosala makambo basala kawana parce que makambo échangé
tokotia ba mécanisme ya contrôle pour na ko éviter te oyo komaki mbala sima ezonga lesusute banzela nyonso to kutyo tanga awa baboka sa bakalembelembe bakasai nyonso tata mokonzi ya mboka apesaki mbongo na ebandeli ya manda oyo basalaki banzela wana me banzela wana itikali oumela te po ba o bazwaki mbongo basalaki misala na bango na ndenge elongo banite nde lelo tozongi lisusu a moins de 5 ans pour toi to rebandela lisu banzela wana ba étude ici et salami ministre des finances aussi apesaki mbongo beseko esali ba étude sur base à ba étude wana nde mosala ekosala po to lingi susute que to pesa mbongo bobongisa nzela boyanalize na bino te bosali étude te boce kaka ciment botie goudron et puis lobi mbule noki ali nyonso to ekei te tolingi sikoyo makambo esala mandenga bia d'où nécessité ya kosala ba étude wana esalami yango wana na gouverneur tozokende tokokende liboso sikoyo tobanda misala basala ba appel à manifestation d'intérêt ba entreprise ya solo pe baya mpona ba entreprise wana pe tolingi komona oyo ya solo pas oyo ya lokuta baye kaka et puis basali mosala manœuvre pe bake na bango mwana mboka Joseph Mbeza mwana mboka Dudu Fuamba l'actuel argentier national à lobi banzela la plupart ya banzela réhabilité na Kinshasa na premier mandat ya président Félix les lognons sont déjà dans un état de délabrement très avancé mbongo ebima ebele na trésor public pour na financer banzela wana malheureusement ba pesa ba marché wana na ba entreprise oyo ezanga logistique ezanga expérience ezanga siège basala bisala sala 3 4 ans 6 mois même après construction banzela wana to réhabilitation banzela wana ebebi lisusu est-ce que to koyi koloba ke par moment boko gérer mboka na ba légèreté to ndenge nini Mitterrand na ya oluki problème ezaye mtatuni question na répondre Toza balobeli ya peuple hein? Toza balobeli ya peuple ah complaisance ezate Qu'est-ce que Guizard fout dans ce poste-là? Je dis bien, M. Guizard, Moufouni, ministre d'État, ministre d'Infrastructure, qu'est-ce qu'il fout dans ce fauteuil-là? Parce qu'il a montré ses limites. Kouyo Kaba déclaration, c'est grave. Parce que c'est lui le technicien dans le domaine pour l'État congolais. Parce que dans ses attributions, il a l'OVD, l'Office des routes, BTC, Bureau Technique de Contrôle, agence de grands travaux, agence congolaise de grands travaux. Tout ça compte à ce qu'on a quatre. Comment se fait passation des marchés? C'est auprès de qui et entre qui? C'est là où se trouvent des rétro-commissions. Je ne dis pas que c'est lui. Parce que même DGCMP, dans le ministère, il y a budget. Oui. On dirait que Kop et Kotanango. Pour attribuer des marchés, il y a ma construction, ma ouvrage. Il y a une infrastructure. Dès qu'on a su. En tout cas, tout une question bien. Tout expliquer ma congolais. Bonjour, ça a marché, et pas nani. Appel d'offres salamaki, n'engenin. Soumissionnaire, nani a gagné qui. D'abord, on compte dans le détail, parce que toi, le domaine de marché public, c'est tout un coup. Okay. Mais dans le babilo, c'est essentiel. Moutango tang a zu marché. Siège social n'est zawapi. Entreprise n'est zawapi. Au commun, n'est zalaraboué. Des individus. Soit Aébi est un membre d'une telle famille que je ne vais pas citer, membre, camarade, il y a tel ministre, il y a tel conseiller chef de l'État, il y a un tel assemblée nationale, va attribuer marché. Il n'est même pas du domaine. Mais tu sais qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller louer la logistique, il y a OVD, il y a un chinois. Mais à ce marché, il prend quelques individus, à construire équipe, il y a un technicien. Et ils vont faire le travail. Mais tant qu'on passe une mongoana, il faut zongi sa commission na bateau ba pesé marché. Entre-temps, volume standard, il y a macadam, il faut au moins 7 cm d'épaisseur. Mais il peut tonga beti ba calcul. Tanga longoli ba mbonga otira l'épaisseur à 4 cm. Bon moment na banzele bandi lancement des travaux, mukonza mbonga pe akoki ko ya ko lancer. Mais le contenu de la route du macadam et ça a 7 ité, et ça a 4 et 5. N'est-ce pas civisme et abisso bakinois. Poubelle est wow, caniveau. Marché, maïtangou est débordé. Maïtangou est débordé. Et que vous avez dans la macadam, moi, il n'y a pas de saini, et boukiango.
Mais le problème est à Wapi. Bureau technique de contrôle. C'est-à-dire que Moussa le Salamak. Moutasouka a rejugé que Moussa le Salami bien. C'est le bureau technique de contrôle BTC. C'est des gens qu'il faut chasser de là. Agence congolaise de travaux. N'est pas qu'il y a Joseph Kabila. Contrat sino-congolais. Bateau va surfacturer Gango. Et ça, Bangouana. Lelo Lissoussou. C'est le même problème, la même problématique qui continue de route. Les routes qui ne traînent pas. Les routes à usage unique. Chaque mandat, il faut qu'on. Normalement, la durée d'une route, c'est entre 20 et 50 ans. Au moins, il prend ma quelle elle est. Depuis ma japonais, ma salangou. Si Lelo. Ça ne bouge pas. Pourquoi? La qualité de l'ouvrage. Mais qu'est-ce qu'elle nous produit? D'ailleurs, il y a un problème sérieux. Vous avez raison de poser des bouquins le problème. C'est-à-dire, nous-mêmes Congolais, nous sommes le frein de notre propre développement. Par notre comportement, Tolingi Kanyaka, Tolingi pourcentage, mais tu es payé par l'État. C'est là où je félicite moi Namboka, Joseph Mbenzana, pour féliciter la première ministre, son excellence Julie Tsimuna Tuluka. Parce que Nakoyo Kabongo collaborateur naïe. Parce que on peut beau parler que Doudou Fomba a un grand travail. On peut dire que Madame Malou, il y a Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Aosa Moussala Malamo. On peut dire que Patrick Mouyaya, Aosa Malamo. On peut dire que tel ou tel ministre Aosa Malamo, sans que j'étais ma fleur, na, la coordinatrice, la première ministre. Tant que déjà moi Namboka Doudou Fombalobi, cette fois-ci, ça veut dire que dans le gouvernement, il y a Julie Tsimuna Tuluka, les choses se passeront autrement, différemment. Alobi, cette fois-ci, tu as dit que Mbongo y a l'État tant que Kobima, tu as l'appel d'offres. Batoubaye, Totali entreprise Nini Oyo a gagné marché. Est-ce que logistique c'est bon? Est-ce que l'expérience c'est bon? Est-ce que Moussa la na kosala ngo malamu? Parce que ce qui Moussa les salami et ça les mandenge sengeli. Tozo féliciter clairvoyance et la première ministre Azola qui sait que yemokaza gardienne. Il y a bon fonctionnement, il y a makambo au état du peuple. Mbongo ya mbo ya peuple ko dasu dilapide te ndenge zalaki mais sengeli so yebimi et ça la Moussa la ngo. Là vous avez raison. Nekomit. La première ministre a eu plus de 5 réunions avec le gouverneur de la ville province de Kinshasa. Parce qu'elle est soucieuse. Parce que l'état dans lequel. Parce que son bureau, c'est dans la capitale. L'état dans lequel la capitale se trouve, ça l'inquiète et ça l'intéresse. C'est pour cela plusieurs réunions avec le gouverneur Daniel Bumba. Oui. Après ces réunions-là, c'est autour de son excellence, M. Doudou Fomba, qui a eu une réunion technique, sur instruction de madame la première ministre. Oui. On peut remarquer que pendant son règne, il y a une sévérité dans les finances publiques. De moins en moins, on parle de détournement et corruption. Oui. Ça, c'est son œuvre. Ça, c'est sa touche. Maintenant, au niveau du gouvernement, elle a instruit son excellence, M. Doudou Fomba, de travailler avec le gouverneur de la ville et que le gouvernement central vienne en aide à la province. Il a été convenu la construction de plusieurs artères dans la ville province de Kinshasa. Samedi 26, le gouvernement central a financé à débloquer l'argent pour la construction de 6 artères routières autour maintenant vers, du grand marché. Parce que c'est un bijou architectural, le plus grand en Afrique centrale. Maintenant, Doudou Fomba, là où il a raison. Hé, papa, il y a fait des Yakawa. Dit, tu as pensé à marcher, Nani. Moi, je pense, bien que la loi interdit, va réformuler, va créer un moratoire, va penser à génie militaire. Les militaires sont plus sérieux. Ça, ce n'est que moi. Et puis disciplinés d'ailleurs. Plus disciplinés. On a des bons ingénieurs dans l'armée. Si on les met dans les conditions, on leur donne la logistique, ils feront du bon travail. Je vais donner une information aux Congolais et aux Congolaises. Son Excellence, Madame la Première ministre, a instruit le gouvernement 185 millions de dollars décaissés pour acheter plus de 5000 engins qui vont être donnés, un, à l'OVD, à l'Office des routes et
au programme des 145 territoires, même aux entreprises privées. Tout a été décaissé et déjà les banques sud-africaines s'activent pour nous amener ça. C'est pour répondre aux besoins, il y a construction de la route. On se comprend. Donc la première ministre fait un grand travail et au travers de ces ministres, maintenant, qui seront les entreprises qui vont contacter des marchés, il y a construction. C'est là où les Romains s'empoignèrent, c'est là où les Kindoki, les Congolais, Kotaka. Très bien. Mais la ligne quand même, on a extrait la vidéo, on a Oyokonda Kola Kisawana comme ça, toi, Kozonga. La ville capitale. Vous savez, honorable président, souvent, c'est devenu un lieu commun. On parle de Kinshasa comme ville-province. Je vous rappelle que, conformément à la Constitution, notre pays est composé de 25 provinces et de la ville de Kinshasa. Même si Kinshasa a le statut de province, il n'en demeure pas moins que Kinshasa demeure une ville. Et pas n'importe quelle ville, c'est la ville capitale. C'est la vitrine de notre pays. C'est l'entrée officielle de la République démocratique du Congo. C'est le siège des institutions. C'est quand, honorable président, vous êtes vous-même le premier diplomate parlementaire et je pense que vous contactez les diplomates et nos partenaires ici dans la ville de Kinshasa. Vous-même, vous parcourez l'Afrique dans différentes capitales. La ville de Kinshasa est considérée comme la ville la plus sale du continent. Honorable Président, il faut nous responsabiliser. Il y a une espèce d'accoutumance à la saleté. Chacun de nous ici, quand il rentre à la maison, vous rentrez dans sa parcelle, c'est tout propre. Mais quand il sort, on dirait que on s'habitue à la saleté. Ce n'est pas normal. Et ce n'est plus, honorable président, uniquement l'affaire des autorités urbaines. Je crois que la question de l'assainissement de la ville de Kinshasa nous concerne tous parce que cette ville, c'est notre ville à nous. Par conséquent, il faudrait nécessairement qu'il y ait des initiatives importantes, innovantes. Pourquoi pas, à un moment donné, d'ailleurs, je me rappelle une fois, honorable président, même l'Union européenne est venue au secours de la ville de Kinshasa pour l'assainissement de cette ville. Par conséquent, il faudrait qu'on s'occupe de l'assainissement de notre ville capitale pour que Kinshasa devienne Kinshasa la belle, comme on l'a toujours vécu. C'est la première question à laquelle je voulais aujourd'hui vous sensibiliser. L'autre problème, honorable président, ce sont les embouteillages. Quand on parcourt le monde entier, effectivement, il y a des embouteillages partout. Mais les embouteillages dans la ville de Kinshasa est quand même, sont particuliers. C'est quand même terrible. Alors, qu'est-ce qui fait que nous nous trouvions dans cette situation et on s'habitue? Et deux fois, d'ailleurs, on arrive toujours en retard, on fixe notre programme en fonction des embouteillages. Ce n'est pas normal. Donc, ces deux problèmes, honorable président, je tenais vraiment à nous sensibiliser. C'est une question. Pour l'amboka Joseph Mbenza, au Tikolanda, honorable Choki Tundu, à tout Olibino, dans l'Assemblée nationale, à l'Obi, ville, province à Kinshasa, ils allaient porte d'entrée à la République démocratique du Congo, ils allaient miroir à Mboka, ils allaient siège et institution, mais salité les qui, embouteillage les qui, à Zopé Sabino, les soins à gouvernance. Yango, n'a pas raté, Cheo Kitoun, il existe. Mais Yewana, où tu koloba? Il s'est battu pour avoir un poste et il n'a pas eu. Voilà un autre donneur leçon. Un mauvais gestionnaire. Un kabiliste déguisé en tshisekediste. C'est ça le problème. Nazo rappelé par Congolais. Kimbuta,
avec 10 millions de dollars de l'Union européenne par mois, 5 millions du gouvernement central. Il ne s'occupait que de 5 provinces. Il a abandonné 5 communes. Il a abandonné toutes les autres communes. Mais c'est l'ami Hachéo Kitundu. Gentilly Ngobi Lambaka. Mm-hmm. Kimbuta a combien? 12 ans. 12 ans. Kimbuta avait dit 12 ans. Ngobi a combien? 5 ans. Ngobi s'est occupé de quoi? De rien du tout. Aujourd'hui, nous avons 3 400 000 tonnes de déchets qu'il faut évacuer. Mais ce chef Kitundu, si on te met là, tu vas fouter. Parce que c'est un problème structurel. Il faut de l'argent. Mm-hmm. Toutes les grandes villes du monde, surtout en Afrique, Abidjan, Brazzaville, l'État central me tape, le gouvernement central me tape ça. Mm-hmm. Maintenant, l'État s'active à soutenir l'hôtel de ville. Mais laissez un peu de temps. Nous reconnaissons. Monsieur Cheikh Kitundu, tu es avec Kabila, son ami pendant 18 ans. Mm. Je pose la question, l'entrée de la capitale, l'entrée principale du pays, est-ce que ton ami Kabila a construit l'aéroport qu'il a été allé déposer la première pierre de construction? Zéro. L'argent Bima n'a Exim Bank. Et Zalate. Donc, qui ne nous donne pas de leçons. Laissez le gouverneur Daniel Boubouma avec Mme Judith Suminwa et Doudou Fouamba s'activer à trouver des solutions et observer pendant 6 mois. Et puis nous allons revenir pour discuter, pour analyser. Très bientôt, au Kouya déjà, mais lobby déjà, première ministre à cause de la devant parlementaire pour Nali Kambouya. Babanda examen, il y a projet de loi des finances, exercice 2025. Question à Komituna, moi Namboka, Joseph Mbenza, expérience où il y a ma BO, tout le monde a la réédition des comptes où il y a débat où il y a qui s'y biso que priorité à ma gestionnaire, ils ont la cailleur, ils ont la peuple. Parce que tout le monde a dit que le ministère de l'agriculture, si par exemple 3% il y a budget dans l'agriculture, ba paye 10% il y a budget na défense, ba paye autant de pourcentage à budget na construction ba route ba école tout ça. Maintenant on te koya na ba débat sur ni loi et réduction des comptes to komona ke oyo ba yebisa ki biso na oyo ba sali ezandenge mokote. Est-ce que na gouvernement ya excellence Judith Suminwa Tuluka oh le azo incarné espoir le azo pesa biso espoir le azo la kisabiso ke il faut croire à la femme. Azola Kisabiso qui avec la femme à la tête et à primature, Makambomaro qui n'est malamo. Est-ce que tu as eu croire vraiment que 18 milliards de dollars azo proposé et que tu réellement dans un secteur productif et que le peuple congolais a se retrouver au lieu que Mbongwanayanso et que n'a fonctionnement dans l'institution? 2024, Bidja Sama Lokonde. Maman Judith Suminwa, mais Miangwa, oh ça Sama. Oui, ça Sama. Ouais. Maman a beau moi nanaye. Nena tozolo babo azana maternité Assemblée nationale. Moi na robot en avril 2025. Selon la loi de finances. Mais maman déjà a bandi ba préparation accouchement sikoyo. Avantage ezana maman Judith Suminwa Tuluka. Retour commission ezala raté. Pourcentage, il y a un dossier, et ça l'a raté. Alors, il y a un ancien cabinet, il y a ça mal au conseil. Il y a tout à Bengana. Donc, c'est pour dire que c'est une forme de rigueur. Pas naïe, vous avez raté parce que ce qu'on a dit, parcours naïe, PNUD, conseiller en ministère de l'économie, ministre d'État, Romain a que vous sautez à la raté. Mais, l'avantage, c'est que Doudou Famba doit faire différemment de Nicolas Kassadi. Doudou font ma place aux excellences. Je peux faire bon moi ma cabo à Mike Mike. Parce que bah, tous les membres de la délégation, on se pose la question, ils sont qui? Doudou Famba, son excellence, monsieur le ministre, fait différemment de Nicolas Kassadi. C'est pour ton honneur, tu dois sortir dans la grande histoire. Il y a ma ministre des Finances. Évite seulement des pourcentages. Dans l'exécution, il y a ma projet Nyoso. La première ministre a la chance de réussir. Pourquoi? Vous avez raison. Agriculture, c'est 13%. 18 pour 18 milliards de dollars. Le plus grand problème, c'est le taux d'exécution. Il y a budget, il n'y a pas de projet. Parce que tel que maman a présenté, je crois que dans mon intime conviction,
elle va veiller à son enfant qu'elle est en train de préparer l'accouchement et qu'elle avril mon abotama. Il y a encore tous ces congolais là, congolaises. Vous avez monté ma pio, monté ma gokita. Vous pensez à maman chance à exécuter budget au yaye à concevoir nos mukonzambo quand on est membre du gouvernement. Cela nous connaîtrons la différence entre Samalo Konde na Judith Suminwa qui est une femme de valeur. Voilà Ndegomit. Mesdames et messieurs, donc c'est déjà ici. Demain, elle va présenter cela à l'Assemblée nationale. Tous ceux qui sont congolais, les congolais, nous sommes scotchés dans la télévision, dans Bino, Bokolanda. Comment elle va expliquer son propre programme? Togolanda, on est prêt pour toi, finalement, intérêt, priorité, Zali, dans le secteur Nini. Togolanda, on est vraiment avec beaucoup d'attention. Togolanda, sous l'émission, on est sur mon Joseph Menza, conclusion. Non, tous ceux qui sont congolais, les congolais, les congolaises, pour soutenir mon Konza Boka. Nous déplorons le crash d'hélicoptère dans l'aéroport Nabisso Ndolo. Alors, c'est une situation déplorable. Mais dans l'ensemble, nous avons au contrôle Yamboka et puis Mokonza Mboka, nous avons soutenu Rio et nous avons réussi Paris Nayo pour définir son. Merci beaucoup. C'est par ces mots que nous mettons fin à cette émission. Merci à notre réalisateur Steve Kondé. Merci Nabino Bolani Bisso dans la République démocratique du Congo à travers nos provinces, mais aussi dans la diaspora. Vous êtes belé beaucoup soutenir Bisso. En tout cas, Toko Sengabo, partagez l'émission, vous likez, vous commentez, vous abonnez massivement et que ça la Bisso bien. De Tokutani Mikolo Mikoya. L'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou, je dis mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose, ou il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. Ce n'est pas ma tête qui cherche, il cherche la tête du chef de l'État. Et qu'il sache que je ne vais pas reculer d'un seul pas.